je vais essayer de d'arranger un peu ici au niveau des lumières. Je vais essayer de faire un peu, juste un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va y la mèche. Regardez. Je sais pas si vous voyez comme moi comment la mèche est belle. Je vais pulvériser un peu d'eau. Juste un tout petit peu d'eau. Vous savez que la mèche est bouclée. La meilleure façon de la redonner vie, c'est juste de mettre de l'eau, pulvériser de l'eau. Et si vous avez aussi le conditionneur, croyez-moi, c'est la seule chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire sur la mèche bouclée en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup la mèche bouclée, parce qu'il n'y a pas trop de travail à faire dessus. Donc juste un tout petit peu d'eau. J'ai aussi mis un peu de crème. Vous voyez, il n'y a pas assez de cheveux qui s'arrachent. Vous voyez, regardez, vous avez vu, il n'y a pas assez de cheveux, vous voyez. Donc voilà la mèche comment elle se présente, vous voyez. Et puis le truc aussi sur cette mèche, c'est qu'elle est folle. Elle est folle. C'est aussi un truc que j'ai apprécié. Elle n'est pas si petite que ça. Donc c'est aussi un truc que j'ai apprécié. Elle est folle. Donc voilà. Dans mes collations, c'est cette perruque-là que je voulais vous présenter. Je l'ai reçue de la compagnie. Laissez-moi voir. Je l'ai reçue de la compagnie Perruque d'Erin. Perruque d'Erin. C'est une Deep Curly. Elle est vraiment très belle, elle n'est pas trop bouclée, donc ça va. Je l'ai pris de la taille, je pense que j'ai pris la taille 24, si je ne me trompe pas, c'est entre 22 et 24, parce que je voulais la taille 26 et il n'avait pas la taille 26. Donc de toutes les façons, je vais mettre toutes les informations sur la barre de description. La perruque, elle est très belle. Comme vous voyez déjà, j'aime beaucoup. Vous savez que je suis fan des cheveux bouclés. Je suis fan. Donc voilà. Je vais mettre les lignes de la perruque sur la barre de description pour les personnes qui sont intéressées. Allez-y à la société, allez-y faire un tour. Allez-y découvrir qu'est-ce qu'ils ont de beau là-bas. Et pour des personnes qui ne savent pas comment retrouver le lien, allez-y tout simplement à Google. Vous allez taper perruque d'Erin. De toutes les façons, je vais vous mettre toutes les informations sur la barre de description. Ils ont toujours des mèches dans leur société. Les bouclées, les lisses, les curly. Ils ont tout dans leur société. Donc allez-y découvrir, vous avez vu, j'adore. Tu peux faire toutes les coupes que tu veux, tu peux faire un chignon, tu peux faire de côté, tu peux faire toutes les coupes que tu veux. Ça dépend de tout un chacun, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire le rail au milieu, donc vous faire le rail de côté, ça dépend de vous. Sincèrement, j'aime bien le rail de côté, mais là je me suis dit je pouvais essayer le rail au milieu. C'est vrai que l'oreille n'est pas si large que ça, mais la mèche elle est bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces compagnies, c'est qu'ils n'ont pas, les perruques ne sont pas si lâches comme d'autres compagnies où les perruques sont lâches. Donc c'est aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié là-bas. Et au niveau des cheveux, qu'est-ce que je n'ai pas aimé au niveau des cheveux? Laissez-moi voir. Pour moi, franchement, tout va bien. Donc allez-y à la compagnie, allez-y faire un tour. Donc si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes à là, je t'invite à t'abonner. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime énormément. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais. Très bientôt, bisous. Bye.